cœur de Justine, La promesse de l'aube de Romain Gary. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Celle d'être aimée de manière totale et inconditionnelle tout au long de votre existence. Dans cet ouvrage inspiré d'éléments autobiographiques, Romain Gary, ancien militaire et diplomate couvert d'honneur, et seul écrivain à avoir remporté deux fois le Goncourt, rend hommage à sa mère. L'affection, le soutien et l'admiration sans bande de cette dernière l'ont porté pendant une jeunesse matériellement difficile, mais illuminée par la tendresse et la fierté de celle qui fut finalement son premier et son plus grand amour. Tout le monde a en tête le souvenir d'une situation à la fois trop mignonne et monstrueusement gênante vécue avec sa maman. Sur le moment, on est tout simplement mortifié. Mais après coup, on en rigole bien et on se dit qu'au fond, si maman s'est comportée comme ça, c'est juste parce qu'elle nous aime. Voilà en substance ce que nous raconte Romain Gary au cours de ce récit romancé sur son enfance et sa jeunesse, où se succèdent sans temps mort des anecdotes d'une incroyable drôlerie et quelques réflexions pendant lesquelles le narrateur analyse l'effet qu'ont eu sa mère et ses aventures avec elle sur son caractère actuel. Les situations décrites dans La promesse de l'aube sont tellement actuelles qu'on pourrait tout à fait les vivre aujourd'hui. La vieille mère qui vient embrasser son fils et le gaver de nourriture pendant qu'il essaie de jouer au dur sur sa base aérienne, qui passe son temps à collectionner les coupures de presse le mentionnant pour les montrer à tous les commerçants du marché, ou qui fait un scandale parce que les talents sportifs de son fiston ne sont pas reconnus à leur juste valeur. On a tous connu ça. Et quand en plus c'est raconté avec autant de finesse et d'autodérision que le fait Romain Gary, on ne peut que se sentir à la fois profondément ému et vraiment mort de rire. Le personnage de la mère, ancienne actrice russe, à la fois maman poule, impresario extravagant et groupie midinette, aurait facilement pu paraître surjoué, exagéré. Mais il est tout simplement touchant dans ses forces et ses fragilités. Quant au narrateur, il porte sur sa mère, mais surtout sur lui-même, un regard tendre et amusé, où l'on trouve à la fois le petit garçon qui fait tout ce qu'il peut pour rendre sa maman fière de lui, et l'homme mûr, qui a compris que cet amour fut à la fois le moteur et le boulet de sa vie. Bref, que vous ayez surmonté ou non votre complexe d'Œdipe, que votre maman soit plutôt d'une exubérance russe ou d'un romantisme anglais, si vous aimez autant les personnages d'une grande richesse psychologique qu'un style parfaitement ciselé et un humour brillant, alors La promesse de l'aube est votre lecture de l'été.